Bonjour et bienvenue pour cette rencontre de football qui va opposer l'unité de Manchester et le FC Liverpool. C'est une très belle après-midi de football qui nous attend. Je suis en compagnie de Antoine Fromafar et Arsène Wenger. Comment allez-vous messieurs? Oui. Ça va très bien, je sens qu'on va se régaler. Ce sont deux très belles équipes. En effet, on peut espérer de l'engagement et du beau jeu. C'est une finale, et une finale, ça se gagne. L'arbitre siffle le coup d'envoi et c'est parti. Wan-Bissaka. L'équipe de Manchester évolue en 4-5-1. Attention avec Keita qui récupère la balle au milieu du terrain. Le ballon arrive sur Salah. Il réalise un dribble. Oh là 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 là. Et but. Ouverture du score de Firmino dès les premières minutes de jeu. Il ne fallait pas arriver en retard. Quel but de Firmino! Il est redoutable dans la finition. Ça commence sur les chapeaux de roue. Le ton est donné. J'espère que ça va être comme ça tout le match. Les Red Devils vont devoir vite réagir. McTominay. McTominay. Fred. Bruno Fernandez. En tout cas, c'est pas une bonne femme qui aurait pu mettre un but comme ça. Antoine, on a dit quoi tout à l'heure? Oh, ça va, c'est bon. L'arbitre donne un renvoi aux 6 mètres. La défense de Liverpool va pouvoir souffler. Alisson effectue un long dégagement. C'est récupéré par Rashford. On peut plus rien dire. Keita récupère encore la balle. Il est dans tous les bons coups. Wijnaldum. Longue transversale à destination de Mané. Il court vite lui, c'est parce qu'il est noir. Oh putain, ça recommence. Les noirs, ils courent vite, je trouve. Arsène, qu'est-ce que vous pensez de ce début de rencontre? Quoi? McTominay. Il y a une belle intensité. J'espère que ça va être comme ça tout le match. Fred. Rashford. L'entraîneur de Manchester, c'est Ferguson. Il raconte quoi, le fossile? L'entraîneur de Manchester est Solskjaer, il a su mener ses troupes jusqu'à la finale aujourd'hui. Les Manchester construisent une offensive. McTominay. Martial en position de frappe, quelle parade d'Alisson. Liverpool, c'est les rouges ou les bleus? Ça revient sur Fernandez. Nouvelle parade d'Alisson. La défense de Liverpool est à l'agonie. Alisson, il a un prénom de meuf, c'est un trans ou quoi? Il a les cheveux longs, c'est un trans. Antoine, arrêtez par pitié. Il y a combien à combien? Il y a 60 à 40 pour les Lakers de Los Angeles. Oh. Luc Jo, pourquoi on est obligé de se taper cette antiquité? Il n'y a plus de place à l'EHPAD? On doit s'en occuper, c'est comme ça. Il va nous plâmer dessus en direct, tu vas voir. T'as un problème, fils de pute. Ta gueule, tu te rappelles même pas de ton prénom. Je m'appelle Ferguson. Voilà. Fabinho. Alexander Arnold. Excusez-moi, je dois aller au vestiaire. On va en profiter pour aller voir notre consultante du côté de la pelouse. Claire, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Les conditions de jeu sont idéales. Je peux vous dire que Jurgen Klopp passe beaucoup de temps à replacer ses joueurs. Claire, il a dit quoi, Jurgen Klopp, quand il a vu ton gros boule? Toi, ferme bien ta gueule de grosse merde ambulante. Gros cassos, personne ne t'aime dans le milieu. Merci Claire pour ces précisions. Oh, ça va, c'est juste une blague. Ta femme, elle te trompe, était toujours choisie en dernier en sport, ça c'est pas une blague par contre. Fils de chiasse. Grosse occasion de Maguire. C'est bon, elle a ses règles ou quoi? Best est mort. Arrêtez de vous disputer. Concentrons-nous sur la rencontre. Et d'abord, c'est pas vrai, j'étais fort au frisbee. Attends, je vais t'attraper après le match, tu vas voir. Attention, Liverpool repart à l'attaque. Salah travaille sur le côté. Il centre. C'est dégagé en catastrophe. Keita récupère. Et but. Déjà 2-0 pour Liverpool. Regardez sa célébration, il fait un signe de pyramide.
c'est un complot de les juifs. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je demanderai à Vincent Bolloré si vous avez le droit de le dire. McTominay. McTominay, j'en suis sûr, il suce des bites. Me revoilà. Y'a combien, combien? Oh putain, qui c'est qui a pété? Désolé, j'ai fait caca dans mon froc. Bon, j'en ai marre, je me casse, allez vous faire foutre. McTominay, il joue dans quelle équipe?